Jennifer révèle ce qui lui a fait peur de monter sur scène avec Johnny Hallyday, ZAPTV. Jennifer fait un retour en force en cette fin d'année. La chanteuse a d'abord fait un grand voyage dans le passé en remontant pour la première fois depuis plus de 20 ans sur la scène de la Star Academy. Là où elle s'était fait connaître du grand public en remportant la première saison. Mais son plus beau projet, elle l'a préparé en secret, un nouvel album, sobrement intitulé Numéro 9 et dont elle assure la promotion sur les plateaux télé depuis plusieurs semaines. Ce jeudi, TMC lui consacrait notamment un tout nouveau programme, Un week-end avec Virgule préparé par Hélène Manarino. Avant ce moment très émouvant pour la chanteuse, elle s'installait dans le fauteuil d'une autre émission, en aparté. L'occasion d'évoquer notamment son rapport à la Star Academy. Qu'elle ne referait pas aujourd'hui, même sur une saison 2 parce que j'aurais vu comment ça se passe et j'aurais eu peur de perdre ma vraie nature. De tomber dans une caricature ou d'avoir une certaine posture qui n'était pas la mienne, explique-t-elle. Mais l'émission lui a également fait revivre l'un des grands moments de sa jeune carrière, le jour où Johnny Hallyday l'a invité à monter sur scène au Parc des Princes pour interpréter Je te promets devant plus de 60 000 spectateurs. Je suis tellement admirative, comme beaucoup de gens, et j'ai ce privilège de pouvoir partager ce moment avec lui, commence-t-elle par raconter. Sauf qu'en coulisses, la jeune femme de 20 ans seulement n'est pas dans une très grande forme et va connaître un moment de solitude. J'étais enceinte de mon premier enfant. Donc avec les hormones qui font des bons, j'avais eu la totale. J'ai vomi juste avant de monter sur scène. J'avais peur qu'ils sentent que j'ai une mauvaise haleine, se souvient Jennifer. C'est surtout le trac de chanter aux côtés d'un monument de la musique qui l'a particulièrement inquiété. Même si Johnny Hallyday sera aux petits soins, j'ai beaucoup ri avec lui, surtout sur les répétitions. On a été amenés à chanter quelques fois ensemble et j'ai toujours eu énormément de tendresse venant de sa part, conclut-elle. Un moment inoubliable dans une carrière.